Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, annonce du prochain Dokkan Fest sur la version globale et il s'agit évidemment comme pressenti de Thalesu, le Thales Endurance dont on va reparler bien sûr dans quelques instants. Annonce d'un Battle Road, mais bon ça, hein, classique j'ai envie de dire. Évidemment, il y aura un peu de contenu, bien sûr. Bon alors, le Thales Endurance, bon je vous ai déjà parlé des prochains portails à venir dans une vidéo déjà dédiée. À voir ce qui est intéressant, ce qui est moins intéressant, bon, vous savez à peu près à quoi vous attendre. Alors on va revenir très vite sur le portail, mais je vous l'ai déjà montré, donc vous le savez, voilà ce qu'on a dessus. Donc on a évidemment le Thales, on a les duos de sbires bien sûr, qui ont des noms incroyablement compliqués à retenir. Daise je crois avec Kakao, Reizun et Rakasei, enfin ça c'est les deux petits, et puis Amundo. Incroyable. Et puis après, on a Yamcha, on a Bardock, on a Thales Agilité, on a Bojack, et voilà, hein, globalement, comment ça se passe. Vous savez, c'est maintenant qu'il faut recommencer à packer. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, mais en théorie, ça, c'est du free skip, hein, bien sûr, parce que à la fois, les nouveaux persos, eh bien, pour que ça fonctionne bien, limite, faut tout avoir, et puis les anciens... Bah, Yamcha, pas besoin de vous expliquer que c'est pas un perso très important à voir, et Bardock non plus, hein, clairement, c'est pas incroyable. Thalès est déjà dépassé, hein, et puis Bojack, il attend son ZTUR. Alors, au niveau des persos, néanmoins, quand même, parce qu'évidemment, déjà, voilà, surtout pour les free-to-play que je dis ça, après, il y a les cash-pairs, tout ça, donc évidemment, on va reparler quand même des personnages, et puis c'est toujours intéressant. Alors, on va pas aller dans le détail, mais juste les grandes idées de chaque personnage, et d'ailleurs, des éveils à venir dans la célébration. Donc le Thalès Endurance, qu'est-ce qu'il nous propose en gros? Alors sur la Jap, je l'ai très peu joué parce que j'avais pas invoqué, ou alors j'ai fait une multi, je sais plus, mais... Donc j'ai pas encore un avis tout à fait arrêté sur ce perso parce que faut que je le joue, faudrait que je le drop pour le jouer, vous le proposer en test. Parce que voilà, difficile à dire sans le tester réellement dans de bonnes conditions. Mais en gros, qu'est-ce que ça propose? Bon déjà le leader, guerrier galactique, CN pur, ok, destruction de planète et guerrier inférieur pour le 200%. Donc vous voyez, ça a vraiment limité le truc quand même à... Alors il y a quand même, en vrai il y a quand même pas mal de persos extrêmes qui sont lead à 200, mais bon voilà, c'est pas non plus un leader ultra transcendant dans le sens où il y a Guiyu qui a un truc qui ressemble un peu. Alors après c'est vrai que, enfin Guiyu quand même, le problème c'est que bon il limitait un peu à la team Guiyu donc c'est bien d'avoir autre chose, mais bon. Alors ce perso en soi n'est pas limité à une team dans l'absolu, mais le truc c'est que c'est surtout au niveau des liens, c'est-à-dire que quand on proc les liens et quand on les proc pas ça n'a rien à voir, donc évidemment ça va être quand même assez important. Donc c'est surtout ça. Au niveau de l'effet spell augmente attaque à l'infini, dégâts immenses, régène 6% des PV. Alors pas de def, mais c'est expliqué par le passif. Et en vérité, la régène est quand même assez intéressante. On pourrait croire que c'est pas ouf, mais en vrai c'est plutôt pas mal. Alors voilà, le truc qui est vraiment dommage sur ce perso, c'est ça. L'animation d'entrée, il faut qu'il y ait un ennemi famille de Goku. Sinon, ça ne fonctionne pas. Enfin, un ennemi famille de Goku ou un ennemi dont le nom contient Gohan enfant. Donc au final, à part les Gohan et Krillin, bah en fait ça revient au même, c'est... Enfin voilà. Donc ennemi famille de Goku, pour faire simple. Donc ennemi famille de Goku en endgame, bah écoutez, bah il y a trois fois rien, hein. Quelques niveaux anniversaire battle, et puis là, quelques niveaux du mode spécial de cette année, mais enfin, voilà. Donc niveau utilité, ça se pose là, tu vois, hein. C'est dommage, hein, parce que ça... Bon, en plus, le pire, c'est que l'effet n'est pas du tout incroyable, hein. Pour les alliés extrêmes qui plus 3 attaquent plus 18%, pour le reste du combat... Alors, c'est pas un boost multiplicatif, hein, c'est un boost qui s'additionne, c'est un support normal. Alors oui, si tu joues en double Thalès, ça fait 36 qui plus 6, c'est vrai. Mais face à un ennemi, famille de Goku, dans tous les cas. Donc, c'est-à-dire jamais, en fait. Hein, en fait, dans les quasiment tous les niveaux intéressants du jeu, c'est pas le cas. Donc, déjà, rien que ça, quand même, c'est... Bon, tu vois, ça pose un peu les bases sur le perso en termes d'utilité, même s'il est quand même bien à la fin, mais bref... Donc attaque EDF 160, avec en plus attaque EDF 60 et lance une additionnelle grande chance de SP quand les PV sont 50% en plus. Mais voilà, il y a quand même voilà, encore des conditions derrière de PV. Encore attaque plus 100% quand je pars en SP, qui plus 2 jusqu'à 8, réduction de dégâts de 5 jusqu'à 20, défense de plus 40 jusqu'à 160 à chaque SP lancé. SP, pas attaque, hein, attention. Ok, derrière attaque efficace contre tous les types et lance une additionnelle chance, grande chance de SP. À partir du tour, ce perso a fait 6 attaques. Et là, pour le coup, c'est 6 attaques sans préciser SP ou pas SP. Donc ça peut s'obtenir quand même assez rapidement comme bonus. Donc en somme, bah, c'est pas mal, mais voyez, c'est pas non plus exceptionnel. Hein, surtout que bah, y a quand même une condition de PV où tu peux perdre des bonus. Donc voilà, ça peut être quand même un petit peu chiant.
Et du coup, malgré tout, comme il a pas de def sur l'aspect, évidemment, ça va limiter la défense maximale du perso. Alors, il a un peu de réduction, mais c'est 20%. C'est pas non plus incroyable, même si c'est toujours cool. Et en termes de def, alors, je vais plus. Franchement, je vais pas vous recalculer les valeurs là, les gars. Autant se réserver un peu de surprise si j'arrive à l'avoir et qu'on le teste. Mais de mémoire, on tourne à 800-900k, je crois, maximum. Maxé, lien 10, tout ce que tu veux. Ok, donc voilà. Bon, on verra bien si on arrive à le choper, de toute façon. Pour tester ou non. Augmente grandement l'attaque d'Eagle Team pour la S. On peut être activé à partir du 3ème tour s'il y a un ennemi Fabi de Goku. Ou un ennemi qui inclut Gohan machin pareil. Ou 6ème tour, heureusement il y a une deuxième condition. Mais enfin, ok, voilà. Alors en vrai, la S c'est quand même assez cool. Puisque du coup, vu qu'on stack l'attaque à l'infini, ça va piquer. Hein. Ça va piquer. Ça va quand même bien faire mal. Voilà, bon niveau des liens, c'est du Thalès, c'est un classico j'ai envie de dire, et après c'est terminé. Bon, en somme, le perso peut être assez cool à jouer, peut être assez fun à jouer, mais bon déjà, voilà, faut invoquer, et puis faut avoir ses potes, hein, ses potes à côté, parce qu'évidemment, notamment ce perso va être primordial, parce que si vous l'avez pas, bah ça va être chiant, hein, parce que ce perso, il est totalement craqué, hein, c'est dans les meilleurs persos détecteurs du jeu. Vous allez me dire pourquoi, bah regardez. Def pendant un tour, grande chance de bloquer l'aspect, bon ça à la limite, on s'en fout. Attaque et def 150, pour les alliés destruction de planète qui plus 1, attaque et def 30%. Encore 20% défense, chance de faire un crit plus 10% pour les alliés qui ont la catégorie guerrier galactique. Donc évidemment, Thalès et compagnie vont ça va en profiter. Garde activée, réduction de dégâts de 20% en tant que premier attaquant. Voilà. 50% attaque et lance une spé en plus en tant que deuxième ou troisième, et de toute façon, globalement on ne jouera pas là. Et attaque et def 30%, à chaque fois la garde est activée. Donc évidemment tu vas le mettre devant, tu as la garde, tu as de la réduction. Et donc le perso bah il va se buffer 150% multiplicatif. Alors au début du combat en somme il pourrait prendre quelques dégâts, certes, mais il va très vite monter en stats et vu qu'il a aussi de la réduc, bref, il va tanker comme un sourdingue, c'est un Rikum Guldo en mieux quoi, tu vois, c'est un Rikum Guldo avec un support et de la réduction. Ça va, c'est cool ou Ouais, donc perso il fumait. Alors évidemment il a pas boss, mais en fait c'est pas très grave parce qu'en gros tu le mets devant, tu mets Thalès en 2 et puis en 3 tu mets un perso qui a boss. Donc extrêmement fort, hein, évidemment, un des meilleurs persos détecteurs du jeu. Il n'y a rien à redire. En revanche, pour le deuxième, c'est beaucoup moins glorieux parce que pas de réduction, pas de garde, mais de l'esquive quand même, donc c'est pas mauvais. Mais voilà, c'est plutôt un perso qui va venir taper. Bon, qui plus attaquer 150, additionnel, grande chance de spé, chance de crit. Bon, on a de l'esquive, tout ça, on a redé boost d'attaque, je ne vais pas tout préciser, mais... On obtient des valeurs correctes, mais enfin, comme il n'a pas de def sur l'aspect, bah, du coup, maximum, on tourne à 400-450k. Ce qui n'est pas non plus extraordinaire, en vrai. Hein. C'est un Bartagis en plus fort offensivement, mais sinon moins bien. Voilà, pour faire une petite comparaison. Donc, sympa, mais là où ce perso sans doublon sera déjà incroyable, celui-ci, par contre, sans doublon, ouais. Il y a intérêt à esquiver, quoi, tu vois. Bon. Niveau ZTUR, nous aurons le Thalès Ozaru. Alors lui, les valeurs, je me souviens à peu près, hein, c'est quasiment 800k après l'attaque, comme ça. Hein, comme ça, il arrive. Alors, comme ça, avec les liens. Et comme c'est Thalès Ozaru, il a un nom unique, donc évidemment, bah, il proc les liens avec les autres Thalès. Et donc, en gros, tu arrives et tu, bah, tu tapes quasiment 800k. Pas de def sur l'aspect, mais même comme ça, hein, ouais, tu arrives et tu as quasiment 800k def. Bon, malgré tout, en spé, tu peux mourir, mais les autos sont tankées, globalement. Et tu peux quand même tanker certaines spé, enfin c'est quand même pas mal pour un TUR lambda quand même, enfin ZTUR du coup, mais enfin vous avez compris, quand même pas mal niveau dégâts, ça se défend pas mal aussi, donc franchement très cool, en soi franchement le perso est quand même assez sympa. Je veux dire quand tu vois ce perso et que tu vois d'autres réveils, genre voilà, de TUR, voilà comme ça secondaire, on va dire que ça se défend quand même plutôt pas mal. On a ce Goku qui est pas mal aussi, hein, qui est pas mal aussi, je me souviens je l'avais joué sur la Jap et j'avais pas de doublon, et on avait fait des trucs assez sympas avec, donc là évidemment il est 100%. Donc, on retestera ça, mais ça peut être assez cool. En plus, il a la quête pouvoir des vœux pour jouer avec les lairs des 8 ans, tout ça. Donc, dégâts colossaux, nanana, réduit grandement la def. Augmente la def des alliés de 30%. Bon. Change les ki intelligence en ki endurance. Ki plus 2 attaque et def 130%. Pour les alliés, pouvoir des vœux, on a un support, voilà, attaque et def. Un nuque, du coup, attaque plus 25, défense 50. Ouais, nuque de 50%. Chance de faire un crit plus 5% par ki pris. Voilà. Et quand les PV sont 59% ou moins, on a pendant 3 tours un changement de ki supplémentaire. Donc, ce qui permet d'avoir encore plus encore de plus beaux plateaux, même si c'est temporaire et c'est qu'une seule fois. Mais franchement, c'est quand même assez cool. Donc, franchement, le perso, il obtient des valeurs tout à fait intéressantes, même si ça reste de la défense pure, évidemment. Mais pour un TUR lambda, une fois de plus, bah, son ZTUR est quand même vraiment très sympa. Bon, c'est un Goku base, c'est vrai. Mais pas mal, il a part au combat, voilà, il a ce qu'il faut. Il a famille de Goku, donc il a tout ce qu'il faut.
Donc très sympa, très très cool. Alors on aura également dans la célébration normalement, hein, mais il n'y a pas de raison, le Dr Willow. Alors le Dr Willow, comment dire, comment on pourrait résumer ça sans perdre trop de temps? Ah, je crois que je sais. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah mais voilà, très sincèrement les amis, on va pas perdre de temps. Le personnage n'est pas bon, hein, voilà, bon, les valeurs, on est dans les 350k, dans ces eaux-là, 400, enfin, c'est... Alors évidemment, il a des belles animations, donc voilà, si tu veux t'amuser un petit peu avec, tu le ramènes en Battlefield, ce genre de conneries. Donc évidemment, on va le farmer, c'est pas le sujet, parce qu'il aura un ZLR un jour, tout ça, mais c'est vrai que en termes d'intérêt, là, tout de suite, réel, ça n'apporte rien de spécial, le personnage n'apporte rien. Donc tu le joueras pas. Mais voilà, après on peut le ramener en Battlefield, ce genre de petit truc, juste pour profiter des animations à la limite. Mais voilà, la carte est jolie. Bon, après c'est Dr Willow, mais après bon, c'est ça faisait longtemps, c'est sa première carte dans le jeu. Mais en termes d'intérêt, on est proche du néant pour l'instant. Ben, voilà, je le précise quand même. Si jamais certains veulent attendre qu'il revienne sous forme de campagne pour le farmer plus vite, bah comme vous le souhaitez, parce qu'en vrai de toute façon il va pas vous servir pour... mais bon, après autant le faire, il y aura pas grand chose d'autre à faire dans la célébration, donc peut-être autant le farmer le personnage. Bref, et on va terminer avec Gohan Goten ZLR bien sûr, qui devrait arriver dans la première partie. Je parlerai pas des persos P2 parce que bon, on y reviendra quand ce sera la P2. Alors le Gohan Goten ZLR, lui évidemment j'ai hâte quand même de le retester, je l'ai pas beaucoup joué sur la Jap. Alors j'avais 3 doublons hein, mais le souci c'est que ce perso est... c'est un peu compliqué ce personnage, parce que finalement, il a eu son éveil, il est, y a de très bonnes choses, mais en fait, la finalité de ce perso, c'est qu'on n'aime pas trop le jouer. Pourquoi? Parce qu'il a, un problème qu'il avait déjà avant et qu'il a toujours, c'est qu'il a pas assez de ki. Il a pas part au combat, donc du coup ça galère, et il a pas assez de ki, même avec ki plus 1 par ki pris, et même avec les ki qu'il a dans son passif, ça reste trop juste. Ça reste trop juste. Et on est aussi limité au passif, c'est-à-dire que si vous n'avez pas Goku dans la rota, vous avez un sacré nerf dans la gueule. Donc du coup, on n'aime pas trop jouer ce perso, sachant que c'est que de la dev pure, et que ça monte pas si haut que ça en vérité, sauf dans les meilleures des meilleures conditions. Et du coup, c'est un peu chiant. Alors pour autant, le perso reste quand même bon, assurément. Il peut taper extrêmement fort, mais le souci, c'est que il y a pas mal de « il faut ci, il faut ça, il faut machin », pas mal de petits trucs. Et le ki manque, hein, vraiment, c'est même avec ce qu'ils ont fait, ça reste globalement assez insuffisant. Et du coup, c'est un peu pénible. On retestera ça sur la globale, bien sûr, mais c'est vrai que sur la Jap, je l'ai quasiment jamais rejoué le perso, parce que il est trop chiant. En fait, il est chiant à jouer. C'est un genre de perso que t'aimes pas le jouer, parce que ça manque de ki, il y a trop de conditions, enfin, trop de conditions. Bon, faut faire quand même 10 attaques pour être maxé, faut qu'il y ait Goku, sinon c'est beaucoup moins bien. Si tu veux vraiment taper fort, faut 24 ki, mais comme je l'ai dit, le ki, il n'y en a pas vraiment assez. Ça fait beaucoup de petits trucs qui fait que le gameplay est pas franchement plaisant, quoi. Bon, vous verrez par vous-même, hein, mais on y reviendra de façon. Enfin, évidemment, on va le rejouer. Le perso est pas mauvais, hein, faut bien comprendre. C'est pas ce que je suis en train de dire, je dis juste qu'il n'est pas vraiment agréable à jouer, parce que un peu chiant, enfin, c'est un peu pénible. Et pas pour apporter finalement une si grande différence que ça dans votre team, quoi. Voilà les amis, on a fait le tour sur les personnages. En tout cas de la première partie, il y aura d'autres persos en P2, mais on y reviendra quand ce sera la P2, évidemment. Donc en somme, bon, le Gohan Goten est quand même bien, attention, hein, j'ai pas dit qu'il était nul, hein. J'ai dit qu'il était chiant à jouer, c'est pas la même chose. Le Dr Willow, bon bah ça fera du farm, mais en vrai on piche. Les ZTUR, là les deux c'est assez cool. Les TUR, de toute façon tout ça c'est les personnages invocables. En somme, du skip assez facile en free to play. Mais de mon côté, évidemment, on va tenter, puisque j'aimerais bien vous proposer des tests, évidemment, hein, quand même, hein, bien sûr, sur les personnages. Après, personnellement, en termes de hype, j'aime bien Thalès, hein, mais sans plus, hein, les animations sont pas ouf, l'entrée est stylée, mais après, voilà, là, c'est sympa, l'aspect est vraiment bof, hein, elle est vraiment, c'est le minimum syndical, quoi, hein, c'est vraiment pas terrible. Donc, à ce niveau-là, bon, pas spécialement emballé dans l'idée. Bardock, j'ai pas Bardock. Donc, Bardock, la passion, quand même, je l'ai pas. J'aimerais bien le récupérer. Yamcha, pourquoi pas des doublons. Bref. On verra bien. Bon, sur ce, les amis, petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Des bisous à tous. À très bientôt. Salut!